Radio Télé Conscience Haïtienne a présenté Scoop RTCH. Scoop RTCH, c'est une rubrique qui permet de connaître ce qui a passé sur tout le territoire pays d'Haïti et l'autre bord de l'eau dans un petit crasse-temps. Collaborateurs nous couvrent tous 10 départements pays pour jouer une plus bonne nouvelle de façon à ce que vous capable prêter toujours informé. Scoop RTCH, deux fois dans la journée sur YouTube, Facebook et Twitter, Radio Télé Conscience Haïtienne. Ou bien tapez www.rtchhaiti.com sur téléphone ou, et puis là pour là, toute dernière nouvelle, sans vous remonter ni gratter tête. RTCH, la radio et la télé de l'information qui vous parle et qui voit tout. Mardi 20 septembre 2022, c'est un plaisir qui est content pour nous porter pour Scoop RTCH. Scoop RTCH, c'est une rubrique qui passe sur antenne radio et télévision Conscience Haïtienne deux fois dans la journée pour permettre de connaître toutes dernières informations sur le pays d'Haïti et dans le pays l'étranger. C'est moi-même, Valentin Carlin, qui a présenté au bulletin SILA. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour à tout auditoire Radio Télé Conscience Haïtienne, cap coûte nous en Florida ou bien en Haïti. Actualité sous plan local, comparativement à Jean Satéye semaine dernière sous affaire manifestation contre augmentation prix à Kraté Gaza. Eh bien, divers côtés dans la capitale là, levé à activité yo timidement. Principalement sur toute autoroute d'Adelma, barricade yo qui levé, chauffeur machine et chauffeur moto répond présent, ça qui permet tout si machin yo à quelques business l'ouvri pot yo pour jeudi, mardi 20 septembre. La police dans Saint-Marc a procédé à l'arrestation 25 individus qui impliquaient dans un pillage à des choucailles sous plusieurs institutions privées ou publiques. Dans la date qui était faite manifestation, eh bien, ils ont récupéré plusieurs matériels. Selon nos papes complices, premier ministre de facto Ariel Henry, loin pour gain qualité pour yon chita palais, Ricardo Florido, qui se yon responsable, m'a dépito pour l'état démissionné à cause de incompétence li. Selon une note qui mettait d'ailleurs, eh bien, va refaire qu'on ait gaz la papka disponible dans la pompe à essence, à cause de gros barricades à trous qui fait dans le périmètre central là. Jean Saté annoncé par gouvernement, gaz la qui t'a supposé disponible pour pita demain mercredi, jusqu'à présent, qui est nettement impossible selon toutes dernières informations. 20 septembre 1758, 20 septembre 2022, marqué 264e anniversaire après Jean-Jacques Dessalines, une fête selon plusieurs constats qui t'a dû honorer Papa Nation. Malheureusement, problème social et politique empêché date ça à commémorer comme ça droit. Sous plan international, Juan González, un responsable administration Biden pour NSC, cité par Miami Herald, a précisé que gros la troubaille sa yo qui fait en Haïti a gen support financier des gros responsables économiques. Yon l'autre côté tout, gouvernement allemand déploré tout politique sa yo qu'a fait en Haïti et même des conseillers à citoyens li yo pour yo pas fait voyage pour rentrer dans pays haïtien. Après tempête Fiona fin passé sous pays Saint-Domingue, selon toute dernière information, gros dégâts ak matériel à quelques pètes humaines déjà enregistrés sans pour autant bayon bilan exact des événements si là. Voilà, c'est là, nous mettons un bout à rubrique Scoop RTCH qui passe sur antenne radio télé Conscience Haïtienne chaque jour. Merci pour fidélité et attention. Restez veillatif à toute dernière information chaque jour. Que t'as pour moi-même, n'a pas croisé demain pour un autre numéro Scoop RTCH.